Le paysage politique burkinabé vient d'enregistrer un nouveau parti, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste qui est un regroupement d'une quinzaine de partis, d'associations de jeunes et de femmes appellent à la candidature de l'actuel directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine aux élections présidentielles de 2015. Pour les initiateurs, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Monsieur Natama a été identifié par la jeunesse à travers son engagement auprès des jeunes comme étant le leader organique pour les conduire vers le changement radical qu'ils attendent depuis de nombreuses années. Et c'est ainsi que des mouvements spontanés sont nés sur la toile, mais aussi sur le terrain burkinabé, pour demander à M. Jean-Baptiste Natama de rejoindre son pays pour porter les aspirations de son peuple. Sur une population de plus de 17 millions de personnes, le Burkina Faso compte environ 70% de jeunes avec un taux de chômage qui frôle les 50%. Et pour résoudre le problème de l'emploi, ce parti compte miser sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est nous qui faisons vraiment la majorité. Nous avons tout fait pour que le régime Compaoré parte. Maintenant, nous devons le prendre nos responsabilités. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de formations politiques. Les élections se tiendront dans 9 mois. Pour rappel, Jean-Baptiste Natama est auteur du Manifeste pour une jeunesse responsable, publié le 15 octobre 2013. Un ouvrage dans lequel il appelle la jeunesse à plus de patriotisme et d'abnégation.